Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Si vous cherchez des remèdes et des astuces naturelles, vous êtes ici au bon endroit. Aujourd'hui, je vous amène un remède vraiment efficace. Les amis, j'ai appliqué ces deux ingrédients sur ma peau. Et vraiment, quand vous allez voir les résultats, vous allez vraiment être étonnante. C'est quelque chose de merveilleux. Elle fonctionne vraiment bien. Si vous avez des boutons sur la peau, des boutons coulants comme ça, que ça a de l'acné là avec des pus dedans qui vous fait mal. Quand vous allez appliquer ça sur le visage, vous allez voir les résultats sont impressionnants. Ils vont sécher les boutons sur le visage et l'autre ingrédient va venir hydrater et cicatriser les boutons sur le visage. C'est quelque chose de merveilleux et c'est très simple et facile à faire. Si cela vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous invite aussi à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne. Donc les amis, pour préparer ce remède, hein, vous allez avoir besoin de la peau de l'orange. Comme vous voyez ici, j'ai récupéré la peau de l'orange. Donc l'orange, je veux la garder. La peau, je veux la mixer, d'accord? Je veux la mixer dans le mixeur pour que ça devienne une pâte. Après, je veux venir mélanger avec cette dentifrice. Donc c'est le signal, hein, au charbon, d'accord? Donc il y a déjà le charbon dedans. Donc, c'est le dentifrice signal au charbon. Vous allez voir, c'est très, très efficace. Maintenant, je vais aller mixer ça et je vais vous montrer comment faire le mélange de deux ingrédients. Donc, vous voyez ici, j'ai mixé la peau de l'orange. Hein. J'ai mis un tout petit peu d'eau pour qu'il devienne une pâte. Je vais prendre 2 cuillères à soupe, comme vous voyez ici. Maintenant, je vais venir rajouter la pâte de dentifrice au charbon. D'accord, la pâte de dentifrice au charbon. Hein. C'est du signal que ça s'appelle, comme vous voyez ici. Je vais mettre 1 cuillère à soupe de la pâte de dentifrice au charbon. Je vais bien mélanger les deux ingrédients et je vais l'appliquer sur mon visage hein, pour vous montrer comment l'appliquer et laisser, je vais laisser reposer pour que vous puissiez voir aussi quelques résultats, le premier résultat que ça va apporter. Donc, mes amis, avant d'appliquer le mélange sur votre visage, rassurez-vous que votre visage est bien nettoyé. Si vous vous maquillez, enlevez le maquillage avec un démaquillant. Si, même si vous ne vous maquillez pas, nettoyez bien votre visage pour enlever la poussière. Parce que vous savez que dans la journée, quand on se promène, la poussière vient se coller sur la peau. Donc, c'est bien de bien nettoyer la peau avant de venir mettre le produit sur le visage, d'accord? Donc moi j'ai bien nettoyé mon visage là, je veux venir appliquer le produit pour vous montrer comment l'appliquer. Après je veux le laisser reposer 20 minutes, d'accord? Et après le 20 minutes, je veux laver mon visage et je vais revenir vous montrer que vous puissiez voir un petit aperçu du premier résultat. La peau sera brillante, bien lisse et vraiment rajeunie, ça c'est quelque chose qui est bien. Donc il va, si vous avez des boutons, il va sécher les boutons sur le visage et guérir les boutons. Ça veut dire que le produit, l'orange, la peau d'orange qui est là va cicatriser les boutons sur votre visage. Et les taches, il va les supprimer parce qu'il a des bienfaits pour enlever les taches. Le dentifrice, lui, il va sécher le bouton, enlever tous les pus qu'il y a dans les boutons là et vraiment cicatriser aussi. Donc, ça va piquer un tout petit peu, mais c'est pas grave. Et comme on dit, il faut souffrir pour être belle, les amis. Donc, voilà. Moi, je veux le faire. Donc, regardez bien comment je fais et faites la même chose que moi, d'accord? Appliquez-la comme je veux l'appliquer et laissez reposer comme moi. Cette préparation, vous pouvez la faire 2 fois par jour, d'accord? Le matin, tôt le matin et le soir juste avant d'aller vous coucher. Donc avec mes doigts je vais venir appliquer le produit comme vous voyez ici sur tout mon visage.
Donc, vous voyez comment je fais le, j'ai appliqué le masque, le produit sur mon visage, d'accord? Donc, vous allez faire pareil. Il faut savoir que ça va piquer un peu, mais c'est normal, d'accord? Moi, j'ai déjà l'habitude, donc je supporte. Donc, si vous sentez que ça vous pique trop, enlevez là à peu près 10 minutes, hein, d'accord? Moi, j'ai l'habitude, je laisse 20 minutes. Non, parce que je sais que ma peau ne risque rien. Donc, avant de l'utiliser sur votre visage, je vous prie de tester d'abord sur une partie de votre peau, dans votre main, comme ça, pour voir comment ça va réagir. Parce que chaque peau va réagir différemment avec la dentifrice. Donc, voilà. Moi, je veux laisser reposer 20 minutes. Le temps que ça sèche, je veux laver et je veux revenir vous montrer le premier résultat. Donc, les amis, regardez le résultat. Une fois que j'ai nettoyé, d'accord, le visage est doux, il garde sa couleur, le visage est doux, lisse, hein, sans bouton, sans tache, d'accord, et vous allez vraiment retrouver un côté fraîcheur sur votre visage. Le visage va être frais et ça fait vraiment du bien d'avoir un visage vraiment frais comme ça. Donc, quand je vous ai dit, vous, une fois que vous avez laissé reposer le 20 minutes, vous rincez votre visage avec de l'eau tiède. Il faut que ça soit pas ni chaud ni trop froid. Il faut que ça soit tiède. D'accord? Vous rincez votre visage avec l'eau tiède et après, vous allez mettre votre crème hydratante. Moi, je n'ai pas encore mis crème hydratante. Moi, j'utilise l'huile de coco avec l'aloe vera pour hydrater mon visage. Donc, voilà. J'ai pas encore appliqué, je veux faire ça après, mais juste après avoir lavé le visage, on trouve vraiment un côté frais du visage. Le visage est vraiment, moi j'aime beaucoup mon visage comme ça, avec ces produits sympas, naturels. On a juste à prendre ça dans notre panier de fruits ou dans le frigo et le tour est fait. On retrouve un visage frais, belle et puis comme on souhaite seulement avec des produits naturels. Moi j'adore toutes ces astuces, tous ces remèdes avec tout ce qu'on a chez nous. Le reste du produit, vous pouvez la laisser au frigo, d'accord, dans un petit récipient. Vous pouvez la conserver durant une semaine, d'accord, et vous pouvez l'appliquer deux fois par jour, d'accord, une fois le matin, très tôt, avant que le soleil arrive, hein, et le soir, avant d'aller vous coucher, d'accord, et c'est vraiment merveilleux. Moi, j'aime beaucoup. Donc, aimez la vidéo, les amis, partagez-la avec vos amis, la famille et tout le monde. Et si vous faites pas encore partie de cette belle communauté, les amis, je vous invite à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous vous préparez bien votre fête de Noël et j'espère que tout le monde va bien et se prépare bien pour recevoir la famille et passer de beaux moments en famille. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.